Deuxième partie. C'est vrai que c'est le premier jour, alors c'est un petit peu à l'envers. Mais ça va avec, vraiment améliorer avec le temps. On prend une posture d'assise, n'importe, essaie d'être le plus confortable possible, mais on va juste commencer à rouler les hanches et les bassins. On fait des grands, grands cercles. Pour les mamans, respirez normalement. On change de direction. Là, on va essayer d'ajouter la respiration en changeant la direction. Inspirez moitié de cercle. Expirez le reste. Inspirez moitié. Expirez le reste. Chacune, chacun a sa propre vitesse. Changer la direction. Dernier cercle. Arrêtez au centre. Essayez d'être le plus confortable possible avec le dos droit. Inclinez la tête en avant. On peut poser les mains sur la taille et on roule la tête d'abord à gauche et à droite. Ajoutez la respiration à gauche, on inspire à gauche et à l'arrière. Expirez à droite et vers le bas. Idem, inspirez à gauche, à l'arrière. Expirez à droite et vers le bas. Idem, à l'arrière. Deuxième côté, inspirez à droite. À l'arrière, expirez à gauche et vers le bas. À l'arrière, expirez à gauche et vers le bas. La dernière, presque. Encore une, deux, on inspire. Roulez les épaules, on inspire, on roule les épaules, en avant et en haut, expirez, à l'arrière, inspirez, en avant et en haut, expirez, à l'arrière, encore, la dernière, inspirez, en avant et en haut, l'arrière, même chose en avant, inspirez, à l'arrière, inspirez, à l'arrière, la dernière. Épaules à l'arrière, une fois, on joint nos mains sur la poitrine, on namaste et on incline la tête en avant. On développe la tête, on tourne les mains vers l'avant, on inspire, on étire les bras, on lève les bras, passe un peu les oreilles, expirez, on croise nos mains derrière la tête, inspirez. Ouvrez la poitrine, c'est de ne pas creuser le dos, regardez vers le plafond. Expirez, inclinez la tête en avant, rapprochez le coude de votre tête, bloquez le menton. Idem, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Bloquez le menton, restez là, relaxez l'épaule. On débloque la tête, on ouvre les coudes. On inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Expirez, inclinez à droite. Posez la tête sur les bras. Attention au coccyx. Restez, respirez. Inspirez, retour au milieu. Expirez, l'autre côté.
poids de la tête sur les bras. Attention au coccyx. On inspire autour au milieu. Et on expire, on aligne les bras sur les épaules. Si vous voulez, index et pouce touche. Restez. Super posture pour les bras. Contrôlez gling gling gling. Mais commencez tôt. Il faut commencer tôt. Respirez profondément. Inspirez. Expirez. Posez les mains droites sur le sol. Pliez un petit peu les bras droits et prenez les bras gauche à côté de la tête. Étirez. Restez. Pour regarder en avant. Attention épaules et oreilles. Et on peut aussi regarder vers le haut. Restez, respirez. Attention, fesse gauche, il reste sur le sol. On inspire, retour au milieu. On aligne les bras sur les épaules comme avant. Restez. Inspirez. Expirez. Posez les mains gauches sur le sol. Pliez un petit peu les bras. Baissez les coudes. Attention aux épaules. Étirez tous ces côtés. Restez. Attention au coccyx. On inspire, retour au milieu. Et on aligne les bras sur les épaules encore une fois. Index et pouce touche. Inspirez. Expirez. Pivotez à droite. Main gauche sur les genoux droits. Main droite sur le sol. Ou on peut entourer le dos. Et même rattraper les cuisses. C'est quand vous sentez aujourd'hui. Et tournez la tête vers l'épaule. Inspirez. Expirez, on tourne au milieu, on aligne encore les bras sur les épaules. On reste. On inspire. Expirez, pivotez à gauche. Main droite sur les genoux, main gauche sur le sol ou on entoure le dos. Mais c'est comme vous pouvez. Si vous sentez plus bien avec cette posture, vous pouvez toujours changer les postures d'assise. Séance est bonne les matins et les soirs, n'importe quand. Inspirez, expirez, on retourne au milieu et on aligne les bras sur les épaules. Inspirez, on lève les bras. Expirez, on se penche en avant. S'il faut libérer vos jambes, n'hésitez pas. Posez la tête soit sur le sol, soit sur les bras, quelques secondes de repos. Doucement, on marche avec nos mains. Et on va tourner. On va faire notre posture d'enfant. Balasana. Gardez les genoux un peu écartés. Les filles peuvent poser les pieds gauche sur les pieds droits. Ou les garçons, pieds gauche sur les pieds. Pieds droits, pardon, sur les pieds gauche. C'est quand vous voulez, c'est juste un petit truc. Et allongez. Reposez, posture d'enfant. Bras étirés en avant. Reste.
On lève la tête, on lève les paumes de main, on inspire, on pose nos paumes de main sur le sol, on se redresse sur le bras, on ouvre le corps. Expirez, arrondissez le dos, les bassins. Bloquez les manteaux et posez. Bassin haute, alors on lève la tête, paumes de main, on inspire. Expirez. La dernière fois, on lève la tête, paumes de main, on inspire. Inspirez, rentrez les orteils dedans. Quatre pattes. Expirez, Adho Mukha Svasana. Chère tête en bas. Reste. On peut toujours plier les jambes. Essayez de rapprocher de l'os. Respirez. On lève la tête, on se lève sur la pointe des pieds. Plie les jambes droites, on pose le genou droit sur le sol, les mollets, glisse les mollets un petit peu derrière et on amène les jambes gauches au même niveau que les mains droites, genou droite et on ouvre et on regarde en avant. Aujourd'hui on fait juste ça. On ne voit pas les mains, mais c'est pas grave. Amenez les bras à côté de votre tête. Levez la jambe si vous pouvez. Sinon, gardez la jambe sur le sol. Posez les jambes sur le sol, les mains sur le sol. Hop, on revient à chaque tête en bas. Restez. Restez quelques secondes. On va plier la jambe gauche. On pose le genou gauche sur le sol. Jambe droite reste tirée. Mollet, pied. Hop, un petit peu à l'arrière. L'autre jambe au même niveau. Et hop. On ne voit pas les mains, c'est pas grave parce qu'on amène les bras. Et immédiatement.